911, bonjour, quelle est votre écoute? Il va y avoir une explosion dans une station service de Los Santos. Ça va sauter. À toutes les unités, j'ai reçu un appel de menace de code 3. J'exige un contrôle de chaque station service de Los Santos. Le suspect est fort probable d'être radicalisé. Salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez tous super bien, ici le grand et le magnifique XD pour servir une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et là vous devinez qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne conduis pas un drone, mais tout simplement je suis sur un mammouth. Ouais, ça s'appelle ça comme ça, un genre c'est un jetpack en fait, c'est un jetpack. Un peu à l'ancienne, hein, comme vous vous souvenez, sur GTA San Andreas. Et c'est vraiment sympa. En plus, vous allez rire, mais c'est la première fois que je découvre qu'il y avait ça sur Grand Theft Auto 5. Et non, ceci n'est pas un mod, ça fait partie des fichiers du jeu. Je déconne vraiment, les amis. On va sortir. Ouh là là, je me suis fait un peu mal. Aujourd'hui, oula, c'est quoi il fait ce bruit là? Ah c'est bon, il a arrêté? Oui bon, il s'est arrêté. Aujourd'hui c'est un épisode spécial SWAT. Et oui les amis, nous allons se mettre dans la peau du SWAT. Parce que franchement, ils font des choses assez badass. Et pour ceux qui savent pas en quoi consiste le SWAT tout simplement les amis, ça consiste à intercepter vraiment les criminels les plus vraiment dangereux. Plus possible qu'ils soient, voilà. Généralement quand vous faites partie du SWAT et que vous devez intercepter un criminel dangereux, la plupart du temps vous devez le tuer parce que c'est vraiment une très grosse menace. Et la plupart du temps aussi c'est tout ce qui est terrorisme. Et comme vous avez vu à l'intro, oui parce que vous avez vu j'ai mis vraiment un gros paquet dans l'intro. Et surtout les amis, je vais pas vous mentir, je vous avais dit la dernière fois que j'allais arrêter un peu à l'SPDFR. Il faut savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. On va pas intercepter maintenant. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et ça c'est un truc juste de dingue les amis. Je sais même plus combien vous êtes et ça m'a donné un peu l'envie de refaire du LSPDFR. Parce qu'il faut savoir les amis que, je vais pas vous mentir, la plupart du temps, les LSPDFR c'est vraiment ce qui fait vraiment grossir ma communauté. Ça se voit par rapport aux vues déjà. Et surtout, là, mon but c'est vraiment de vous divertir un maximum parce que honnêtement ça me fait un bien fou de reprendre les LSPDFR avec vous les amis parce que de base on devait attendre la mise à jour 0.4 à moins que quand je vais sortir cette vidéo elle sera tout juste passée, mais il faut savoir que on a toujours pas de nouvelles actuellement au moment où je vous parle. On va commencer à prendre un véhicule d'intervention, voilà,
Parce qu'on a vraiment envie de se mettre dans l'ambiance du SWAT. Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. J'ai oublié de vous préciser qu'on est vraiment au quartier général, qui fait partie du jeu, honnêtement. Ce n'est pas non plus un mode. Le quartier général, vraiment du... Enfin, de la National Office, hein, parce que je le vois surtout écrit, je sais pas quoi dire autrement. Vraiment, en gros, c'est un endroit qui... En gros, c'est tout ce qui est la sécurité. Voilà. Et du coup, bah, c'est pour ça que je décide de commencer la vidéo ici. Et voici notre véhicule d'intervention pour cet épisode, les amis. Alors, ce n'est pas un mode. Aujourd'hui, on va y aller soft parce que j'ai vraiment envie de conduire les voitures du jeu. Enfin, les voitures originales du jeu. Je veux dire, le seul mode que j'ai installé, je vais pas vous mentir, c'est juste la voiture dans l'intro. Mais on va surtout faire des grosses interventions sur ce véhicule. Et j'ai vraiment hâte, j'ai justement envie de voir ce qui va nous attendre. C'est un truc de dingue. Donc, on va monter dans la bête quand même. Hop, on va mettre la caméra comme ça. Voilà, le LSPD. Mais bon, on va faire comme si qu'on était que c'était un camion du SWAT. Même si je pense que c'est la même chose, je pense. Hein. C'est la même chose. On va sortir. On va sortir de. Oula, c'est bon, j'ai touché mon jackpack. en plus, je l'ai même pas arrêté. non, franchement, je savais vraiment pas qu'il y avait ce véhicule dans le jeu. Bon, on va sortir de notre. Enfin, comment je pourrais. Ouais, je l'ai dit encore il y a 2 secondes, mais je m'en souviens plus. Du government, voilà. Comme c'est écrit. Ah, la barrière ne fonctionne pas. Ok, bon. On va pas intercepter, ok. On va pas accepter l'intervention parce que on a vraiment envie. Enfin, j'ai surtout envie de faire des choses assez dangereuses. Parce que c'est un peu le but du soir. Un véhicule de police qui a été volé. Le véhicule il se trouve juste derrière moi, les amis. On va essayer de l'intercepter parce que généralement, quand on vole un véhicule de police, le voleur a dû sortir au moins une arme. Au minimum, parce que vraiment pour voler déjà un véhicule de police, c'est assez chaud. Et mon dieu, non. Le véhicule a été volé dans l'enceinte. Non, c'est où qu'on y était il y a 2 secondes. Ok, bon. Les amis, c'est vraiment pas un hasard. Le véhicule il se fait voler l'or. Déjà, c'est méga sécurisé, donc je sais pas comment il a fait le gars. Mais waouh, putain, il faut y aller quand même pour voler l'or. On va y aller tout de suite. Je vais pas tout de suite appeler des renforts, oula la moto. Parce que j'ai envie de voir si la personne est violente. Nique la barrière. Elle a pas voulu s'ouvrir, que voulez-vous. Alors, je vois vraiment pas qui. À moins qu'il tourne en rond. Non, on dirait qu'il est sur le parking. Je dirais qu'il est au niveau du parking. Il peut être que là. Ah, il est là. Ok, le véhicule il est là. On va rentrer directement dans l'enceinte du Government Facility. Voilà, je vais y arriver. Bon, les barrières vont mettre 2 heures à s'ouvrir, c'est pas la peine. De toute façon, il tourne en rond. Eh oui, il tourne en rond, c'est fermé. Ok, bon. On va intercepter la personne tout de suite. Tu t'arrêtes. Ah. On va sortir le fusil à pompe. Ok. Ok, le gars m'a fait un doigt d'honneur. Ok, on va appeler des renforts tout de suite. On va appeler le local, le air support et le nose. Voilà, comme ça on a vraiment nos équipiers qui sont à fond avec nous. Je vais essayer de lui faire un barrage. Je vais essayer de lui faire un barrage parce que là c'est vraiment chaud. Voilà, je vais me mettre comme ça. Il pourra plus passer. Le pire c'est que là-bas je vois un flic mais il ne réagit pas. Il est en train de partir où? Il est passé par derrière. Comment il a fait? Ok, il est en train de se barrer. Ok. Là, c'est vraiment... c'est vraiment un gros fail pour moi, parce que je m'attendais vraiment pas qu'il allait se barrer comme ça. On va directement aller le suivre. Par contre, c'est vrai que j'ai pas vraiment le véhicule adapté, mais bon. Que voulez-vous faire? Oula, bon, ok, ouais. En réalité, le SWAT fait ça, oui. Pour aller plus vite. Bon, il faut savoir qu'il y a déjà deux hélicos qui sont dessus, donc au moins je risque pas de le perdre. Mais si vraiment ils arrivent pas à le rattraper, je vais rappeler un peu de renfort et je vais essayer d'attaquer un peu en faisant de la tactique. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le SWAT, c'est vraiment au moins. Quoi? Quoi? Living? Quoi? Mais vous foutez de ma gueule, il y a deux hélicos? C'est quoi ce fail? J'ai pas compris. Le gars il est en train de se barrer, il a juste deux hélicos sur lui. Ok. Bon,
Par contre, si je me trompe pas, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, criminel recherché. Ok. Il est quand même encore recherché. Je vais quand même continuer à le suivre parce que je comprends pas. Pourtant, il y a les hélicos qui sont encore dessus, donc je pense que... Je pense qu'ils sont, il est pas en perte de vue. Donc je continue à peut-être gyrophare parce que j'avais pas trop compris ce qui s'est passé. Par contre, le problème c'est que vu que j'ai un véhicule assez comment dire lent, voilà, ça fait que pour le rattraper c'est pas si évident. Donc moi ce que je vous propose c'est une petite ellipse et on se retrouve tout de suite, les amis. Bon les amis, nous sommes de retour. J'ai réussi à la rattraper parce que voilà, on va dire que les collègues quand même ont bien rattrapé le coup, hein. Même si j'ai pas compris pourquoi ça me l'a mis en disparition. Et il faut savoir qu'il y a 4 hélicos derrière lui. Et la personne refuse d'obtempérer. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller par la force. Je pense que... Non, je vais pas sortir mon arme. Il faut déjà essayer de la rattraper le plus vite possible. Il faut savoir qu'il a vraiment un comportement dangereux. J'arrive à la rattraper petit à petit. Par contre je sais vraiment pas les choses qu'il va le faire, c'est à dire que là à tout moment il peut tourner, foncer sur un civil. Je sais vraiment pas ce qu'il va faire. Non, j'ai juste un petit pistolet, je pense pas que je vais réussir à le, comment dire, le flinguer pour ça, parce qu'il faut savoir qu'il est quand même, il faut savoir que il y a personne avec moi dans le véhicule. Je n'ai aucun stagiaire, voilà, il y a juste moi, et vous savez très bien que moi dès que je manie des armes, oula, what, oula. C'est quoi ce... Ok. Ah, c'est bon. Il est coincé. Hop, on va sortir l'arme. Monsieur. Il est là. Monsieur, on s'arrête. C'est bon, il est mort. Là. Monsieur, on s'arrête. On s'arrête. Voilà, les collègues sont déjà en train de récupérer l'autre personne. Il y avait une deuxième personne. Oula, t'es en train de voler, mec. Waouh. Ah, t'étais vraiment un dur à cuire, toi. Ah ouais, t'étais vraiment un dur à cuire. Bah voilà. Maintenant, j'ai envie de savoir si le deuxième, ils arrivent à le rattraper. Mais alors, je vais regarder. Ouais, c'est bon. Le deuxième, il a été attrapé. Bah, monsieur, veuillez me suivre. Parce que vous savez... Et la poursuite a duré un gros moment. Et waouh, franchement, ouais, c'est pas bien ce que vous avez fait, monsieur. Là, vous avez vraiment mis en danger tout le monde, quoi. J'ai dû... Il y avait 4 hélicos derrière lui, quoi. 4 putains d'hélicos, c'est incroyable, ça. Oh là là. Bah, je sais plus s'il peut... Si, je peux le mettre dans le véhicule, donc je vais le mettre à l'arrière du véhicule. Allez-y, monsieur. Allez dedans. Si vous voulez bien. Alors... Les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais l'emmener en prison. Je vais pas faire d'autres interventions, parce qu'on sait jamais, il pourrait toujours s'échapper. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite ellipse, une fois encore, voilà. On va faire une petite ellipse, et puis on se retrouve juste après pour une très grosse intervention, comme on avait prévu. Voilà, les amis. Sur ce, on se retrouve à tout de suite. Les amis, des suspects extrêmement dangereux ont été signalés dans un véhicule. Vu que c'est extrêmement dangereux, c'est à moi de m'en charger, donc pour l'instant... on va y aller solo. Par contre, il... Ah, ok, le... Ah ouais, en fait, il était pas loin du poste de police, ok. On va mettre les sirènes quand même, parce qu'ils sont très très dangereux. Je vais essayer de les arrêter. On va y aller doucement. Ah, ils font comme si rien n'était. Alors... Ok, le véhicule, il est là-bas. J'ai véhicule en visuel. Hop. On va descendre du véhicule. Ah, pourquoi il recule? What? On me tire dessus! Ok. On va appeler des renforts tout de suite. Ouf. Putain, eh, il va pas aller loin avec sa petite bagnole. Hein. Oula, les civils, ils ont peur. Oula, ouh, qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, il s'est pris une poubelle. Bah, j'ai les collègues qui sont déjà, ils ont déjà réagi. Il faut savoir que généralement quand directement on vous tire dessus comme ça, c'est vraiment, il faut passer vraiment à l'acte, parce que aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a la légitime défense qui est vachement, comment dire, plus réaliste qu'en France. Oula, j'ai cru que j'allais me prendre dans la moto. Ok. Hey, tu t'arrêtes. Oh. Oula.
Ah, par contre, le véhicule... Ouh, il fonctionne encore. Oh, putain, il a pris cher, par contre. Hein. Bon, on va je vais essayer de le rentrer dedans. Par contre, c'est chaud pour toi, mec. Il y a trop de monde qui est sur toi. On va essayer de le retourner. Voilà. On va prendre le gros fusil à pompe. On s'arrête, on s'arrête. Ah, c'est une dame. Je suis en train de la faire électrocuter. Madame? Ok, je l'ai fait tomber dans les pommes. What? Ah non, pourquoi elle saigne? Je comprends pas, je lui ai juste mis un coup de taser. Ah! Ok. Ah, ok, collègue, t'as fait une grosse gaffe là. Hein. T'as écrasé. Non. Oui, j'ai pas rêvé en fait, c'est pour ça qu'elle est morte. Il l'a écrasé! Oh mon dieu. Bon, c'est du fail. Les amis, c'est pas nouveau, hein. Vous savez très bien que le fail avec moi c'est. C'est héréditaire, voilà. Je fais toujours ça dans ma vidéo, mais bon. Comment dire? Bah, d'un côté, la légitime. Quand je vous dis tout il y a à peine quelques secondes, la légitime défense est très. Comment dire? Très importante aux États-Unis parce que directement un flic. Si vous tirez sur un flic, bah, il vous tire dessus en toute légalité. Voilà. Donc, bon. Voilà, je vais pas vous mentir. C'est une bonne intervention ce qu'on a fait là quand même. Mais j'ai envie de voir plus gros. Si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, bon, je vais appeler quand même des renforts pour que ils puissent quand même récupérer le corps. Voilà. Et nous allons faire une autre petite intervention. Enfin, une petite. J'ai vraiment envie de faire une grosse intervention, de la grosse intervention comme on aime, parce qu'il faut savoir qu'on est dans le SWAT. Et dans le SWAT, on fait pas juste des courses poursuites. Voilà. Du coup, les amis, on se trouve dès que j'ai du nouveau. Voilà. Les amis, je crois bien qu'on est dans un braquage de banque. Voilà, il y a eu un braquage de banque. Du coup, un braquage de banque, qu'est-ce que je raconte? Soit un vol, soit un braquage de banque, parce que vous saurez très bien que moi et l'anglais... oula. What? Ok, bon. Bref, les amis, on va tout simplement essayer d'aller à destination. Alors, généralement, quand je vois bank, pour moi, c'est la banque. Oui, bah oui, c'est la banque, bank. Mais bon, apparemment, il y a des suspects ultra méga dangereux de la mort qui tue, qui sont là-bas, et bah nous, on y va directement parce que c'est notre but. Voilà, on est le SWAT. En fait, le SWAT, c'est... on nique vos mères, quoi. C'est... tout simplement, nous, les voleurs, on les baise. Non, sérieusement, les amis, je suis vraiment chaud, mais alors là, j'ai vraiment hâte de... Ouh. Ah, il y a déjà... Oh, oui. Oh, c'est un braquage de banque. Oh, oui. Oh oui, les amis. Nice. Ah, les amis. Oh, mec. Ok, je dis mec, je sais pas pourquoi. C'est la première fois. Oh, mon dieu. On va devoir aller voir le capitaine Wells. Oh, putain, les amis. C'est un truc de dingue. Les amis, c'est un truc de dingue. C'est un braquage de banque. Il y a des otages. Ouh là là. Il faut qu'on y va directement. Hein. On va interroger le capitaine. Vous êtes où, mec? C'est vous, capitaine? Oui. Oh mon dieu. Sir, what's the situation? Well, alors. We have multiple armed suspects in the bank with hostages. Ok, donc il y a des gens avec plein d'armes qui sont dans la banque, voilà, excusez-moi, et qui détient plusieurs otages. How many robbers are there? We don't know how many are in there, officer. Ok. Ok, on a deux options. You can attempt to negotiate with them. Alors on peut négocier avec les criminels. Alternatively, ou alors on a le droit d'y aller franco. Ok, bon. les amis, c'est un peu chaud parce que j'ai jamais assisté à ça. Un braquage de banque, putain. Alors, I going to talk. Déjà, on a deux choix. Le SWAT, généralement, on y va franco. Le problème, c'est que je peux négocier. Et les amis, j'ai vraiment envie de négocier. Parce que. I'm gonna try and talk to them first and see how that goes. Ok, on peut vraiment négocier, c'est vraiment un truc de dingue, les amis. Du coup, ah là là. Ok, pourquoi il veut pas que... Alright, the SWAT team will have your back. Ok. Also, do you want the tech team to kill the alarm? Alors, voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'éteindre l'alarme déjà. Donc, now, yeah, ok, on va faire oui.
Yeah, definitely. I can't hear myself think with that thing going. Ah, ce qui est bien, c'est qu'il y a la voix. Ça doit être une mise à jour du plugin que j'ai mis, parce que je m'attendais vraiment pas à ça, les amis. C'est bon, l'alarme a été, elle a été coupée. Copy that, sir. Voilà. Alors, presse F11, ok, presse Y pour négocier. Ok. Alors, je suis très mal en anglais, les amis. C'est... Je sais pas comment ça va être. Alors, wow, LFTs, embusty. I'm an officer with the LSPD. Who Est-ce is que it that je I'm peux speaking vous parler to? Fermez-le, je contrôle tout ici. Alors, alors, regardez, la banque est sous... En gros, la banque, alors la première solution, c'est la banque est entourée de SWAT. Donc en gros, t'es un peu dans la merde. Ensuite on peut lui demander un deal, alors je sais pas, ok. Et ok, est-ce que c'est ce que vous voulez? Alors c'est chiant parce que les réponses, elles sont pas évidentes. Moi qui serais flic, je dirais... on va lui faire un deal. Can't we make a deal? Alors... Ok, ouh là 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 là. Il a pas répondu. Je vais dire quand même qu'on il est vachement entouré quand même. We all want to go home here. Just come out peacefully. Je vais tuer un otage qui... dès que vous touchez. Oh là là. En gros, il est en train de dire que dès que je passe la porte, j'allais dire, il va tuer un otage. Alors je vais lui demander de pas tuer des innocents parce que you don't want to hurt innocent people. Parce que même les frapper parce qu'ils sont pour rien. Voilà, je vais y aller franco, on va y aller tout doucement. Innocent dans le monde. Ah! Ok! ok. On n'a plus qu'un seul sourd. Ça risque de tuer un otage. Je prépare mon arme, on va devoir passer à l'action. Oula! Oula, putain. Attention! What? Ça tire de où? Ok. Oh là là, ça prend cher. Putain, je lui ai foutu un gros headshot. Oh là 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 là. Hostage Rescue Raid. Ok, j'ai. Oh là, mais ils sont combien? Ok, les amis. Je vais appeler les renforts. Voilà. Ils sont vraiment nombreux, hein. Ils sont où? Oula, il a pris cher lui. Ils prennent cher, hein. Je vais essayer de rentrer tout doucement. Par contre, je vois que ça tire autre part. Ça tire où? Ok. Je vais venir en renfort quand même. Parce que les collègues ils ont besoin de moi. Alors. On va essayer de. Oula, est-ce qu'il y a quelque chose? Oh merde! Il y a un otage qui a été tué. Ok, bon. Oula, il y a vachement de. Je vais mettre de côté les amis. Je vais en filmer la combinaison. Parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas ma combinaison. Je fais une petite ellipse. On revient tout de suite les amis. Au moment de pleine action. Bon les amis, on a mis notre tenue du SWAT. Ok. Il y a un lobe. Oh là là, ils sont vachement nombreux. Ils sont vachement nombreux. Mais alors les amis, c'est. J'adore ce genre d'intervention. Oh mon dieu, ça m'avait manqué. Ah. Oh là là. Ah et puis on peut pas tirer à travers. Ok, il faudrait que je passe par derrière. Alors. Est-ce que je peux. Non, il faudrait. Pardon. Il va falloir que j'essaie de trouver une solution pour essayer de les contourner par derrière, si je peux. Parce que le problème c'est que ils sont planqués. Non, c'est un otage.
Ah. Ils sont tous morts? Ah bah c'est bon. Ils sont tous morts. Bon, on va secourir les otages quand même. Alors je sais plus quelle touche que c'est. Alors O 0, voilà. What? Voilà, c'est bon. Alors c'est bon, vous êtes sauvés, vous pouvez aller dans l'ambulance qui est dehors. Voilà. Voilà, je vais aider aussi cette dame. Alors malheureusement, nous avons un otage qui a été tué. Bon, il faut savoir que c'était une première fois pour moi. Parce que... Qu'est-ce que j'entends? J'ai toujours peur, mais non, ils sont tous morts. Donc il y avait deux otages en haut. Et oui, je vais pas vous mentir, c'était une première pour moi, donc je savais pas trop comment réagir. Mais en fin de compte, ça s'est bien passé. Non, en fait, non, parce qu'il y a quand même un otage qui a été tué. Et bon, il y a sept otages qui, a été, qui ont été sauvés, là, que je suis en train de faire. Mais bon, voilà. Il y a quand même un otage qui est décédé. Paix à son âme. Voilà. Donc il y a aussi cette dame. Je sais même plus à combien je suis. C'est bizarre parce que je sais pas où qu'il est l'otage qui a été tué. Mais bon. Ah, il n'a peut-être de l'autre côté après. Hein. Il n'a peut-être de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Bon, en fait, il dit toujours la même chose. Vous pouvez sortir dehors. Voilà. Alors, est-ce que c'est lui l'otage qui a été tué? Non, il a un truc dans la tête. Bah c'est bon, vous pouvez aussi partir. Ah ouais, franchement, vu que c'était une première pour moi, c'est vrai que... je m'attendais pas vraiment... pardon monsieur. Je m'attendais vraiment pas à un truc aussi dingue. C'est vrai que j'adore, en vrai. Et j'aimerais bien refaire un épisode avec vous les amis, avec des braquages de banque. C'est vrai que ça donne vachement envie. Parce que voilà, vu que c'était une première pour moi, bah j'avais pas trop la réaction adéquate, mais waouh, franchement, j'ai adoré. Alors, c'est encore un... Oui, ils étaient nombreux quand même, hein. Ils étaient vachement nombreux. Alors, il reste deux otages et j'arrive pas à les trouver. Ah, est-ce qu'il y en a qui sont planqués derrière là? Je pense, ouais, parce que j'ai pas fait tout le tour. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a un deuxième ici? Non. Bon. Le coffre-fort n'a pas été ouvert. Bon, finalement, c'est bien. Et du coup, après, il restera plus qu'un seul otage à libérer. Sauf que le problème, c'est que je sais pas où est le tout dernier otage. À moins qu'il est peut-être pas encore arrivé à l'ambulance. Bah, c'est bon. Ouais, c'est... Ouais, bon. Je vais attendre un peu quand même. Mais ouais, franchement, les amis, c'est très... C'est très... Franchement, c'est... Waouh, j'ai pas les mots, les amis. C'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Est-ce qu'il y a une personne qui est ici? Ouh, il y a beaucoup de... Ah ouais, ils étaient beaucoup. Ils étaient vraiment beaucoup. Bon. Il me manque plus qu'un otage, je sais toujours pas où qu'il est. Les amis, bah, petite ellipse en attendant de trouver le dernier otage parce que... oui, de base, il en avait 8, mais ça peut pas être celui que j'ai tué, donc voilà. Je reviens tout de suite, les amis. Bon les amis, j'ai trouvé où elle est la dernière personne. En fait, c'est un endroit vraiment tout con. Je pensais que c'était bloqué. En fait, je vais pas vous mentir, j'ai mis du temps à comprendre. En fait, ici vous avez aussi une porte qui donne accès à des petites salles comme ça. Donc non. Et j'ai mis un drone. J'ai vu qu'il y a une personne ici. Voilà. Donc bah bonjour madame, j'ai mis beaucoup de temps pour vous chercher, je vais pas vous mentir, j'ai bien mis une demi-heure, voilà, et vous pouvez aller désormais à l'ambulance, voilà. C'est vraiment une très grande banque en fait, hein. Elle est très grande cette banque. Hein. Du coup bah j'ai sauvé tous les otages, je suis content pour moi, au moins j'ai fait un truc de bien, mais bon. Malgré qu'il y ait un otage qui est décédé, bah au moins j'ai sauvé le reste, voilà. Le reste a été secouru. Et puis voilà. Après on va aller voir l'officier pour voir ce qu'il va nous dire. Je pense qu'il va nous engueuler parce qu'il y a un otage qui a été tué, mais bon. On va dire que voilà. C'était assez dangereux. Voilà. Alors la personne. Fais gaffe à traversant par contre. Hein. Ok, elle va directement dans l'ambulance. Voilà. C'est bien fichu quand même comme mode. C'est très très bien fichu.
Voilà. Du coup, je peux parler au capitaine. Voilà, on va lui parler. Alors, merci d'avoir mis fin à tout ceci. Yeah, I was pretty hectic in there. Voilà. You sound you to... oh, ok, donc il a dit qu'il allait nous rappeler quand il y aura une opération de ce genre. Voilà. Voilà. Bon travail aujourd'hui, officier. Merci beaucoup. He's doing my job, sir. C'est normal, c'est mon travail, monsieur. Bah les amis, voilà. J'ai adoré ce moment. D'ailleurs, c'est le matin, il commence à faire jour. Waouh, il y a 18 personnes qui ont été tuées, 18 robbers. Alors les robbers, c'est les méchants, voilà. Il y a un otage qui est mort, voilà. Mais oula, ils sont en train de tout défoncer. Ouais, ils ont enlevé les barrières, tout ça. Ok, oula, doucement. Oula là là là. Ah là là les amis, c'est vraiment un truc de dingue. Franchement, voilà, 18 morts au total. Voilà, il y avait 18 voleurs qui sont entrés dans la banque. Voilà. Enfin bref les amis, je vais reprendre mon véhicule d'intervention et je vais essayer de bouger tout ce bordel parce que c'est vrai que là, bah, y a vachement du monde quoi. Voilà. Voilà. Sur ce les amis, bah, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'aurais jamais imaginé avoir un braquage de banque en direct, franchement. Wow, c'était juste un truc de dingue les amis. Si franchement ça vous plaît, faites-le moi savoir, lâchez un maximum de likes. Oula, excusez-moi le civil. Un maximum de likes parce que je m'attendais vraiment pas que la vidéo allait prendre une ampleur à ce point-là. Et franchement, dès qu'il y a un braquage de banque, je vous mens pas, on y va directement. Parce que franchement, j'ai juste adoré les amis. Enfin bref les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait toujours un énorme plaisir d'être avec moi, hein, de me suivre, tout ça. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et je pense qu'après cette vidéo, vous serez encore plus nombreux, je pense. Parce que il va y avoir un maximum de partage, je vous le promets. Et franchement, wow, j'ai juste kiffé la vidéo d'aujourd'hui les amis, c'est un truc de dingue. Sur ce les amis, on se retrouve à la prochaine. On va toujours continuer à l'SPDFR. Je prends juste mon temps parce que j'ai vraiment envie de vous fournir un travail de qualité. Et sur ce les amis, on se voit à la prochaine. Et je vous dis tout simplement... ciao ciao. Allez, ciao ciao les amis.